Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le thème de l'amour et on va faire deux tirages en fonction de ta situation amoureuse du moment. C'est un tirage intemporel, mais on prend l'énergie actuelle de ta vie. Alors, soit tu es célibataire et tu espère peut-être au fond de ton cœur eh bien, rencontrer la personne qui saura te faire vibrer, ou bien tu as déjà une personne qui te fait vibrer dans ton cœur, que tu sois ou non avec cette personne, et on va voir eh bien, quels sont les messages pour toi aujourd'hui. Donc fais ton choix. On va commencer par les célibataires et ensuite on passera à la partie quand on connaît déjà son amoureux, son amoureuse. Ok, je regarde, je me suis fait toute belle pour toi, j'ai mis mon joli petit bracelet de Bernadette de Lourdes. Le diamant, enfin c'est un faux hein, bien sûr, mais le diamant qui représente eh bien, l'amour, l'engagement, l'amour sacré de deux personnes qui s'unissent, voilà, il y a quelque chose de tellement divin, de lumineux, c'est beau l'amour quand les deux sont en paix dans leur cœur et décident de partager vraiment cette joie, ce bonheur, cette paix à deux pour rayonner de lumière ensemble, et cette lumière qui se répand ben, tout autour, parce que on trouve toujours que les amoureux sont mignons, on trouve qu'ils rayonnent, et c'est vrai qu'on peut, on peut obtenir cet état de grâce par la méditation, par cette connexion au divin, mais aussi avec l'amour d'un autre. Mais avant tout, évidemment, eh bien, c'est l'amour de soi. Ok, avant de commencer, merci, merci à toi d'être là, de m'écouter, merci d'être abonné, merci de t'abonner si tu en as envie, hein, parce qu'évidemment, on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut, de surfer un petit peu sur le net, d'écouter, ça plaît pas, ça me parle pas, peu importe. Si tu es là et que tu écoutes, c'est avec grand plaisir, ça me fait vraiment beaucoup de joie de partager ce message, peut-être tout le message, une partie du message, en tout cas, je ne sais pas, avec toi. Voilà, si tu as des questions concernant les guidances privées, tout ce que tu veux, peu importe, sous cette vidéo, eh bien, tu as toutes les infos et tu peux même laisser un petit commentaire au cas où, si tu veux poser une question même à la communauté, si tu vois que ça te parle et que tu as quelque chose à partager, eh bien, c'est avec grand plaisir. On y va. Allez, on commence par les célibataires. J'ai pris pas mal de tarots d'oracle au feeling, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Alors là, comme ça, j'ai l'oracle de Lucie, le Love Call, votre destinée, particulier cet oracle, le tarot, oui, non, peut-être, les oracles, les anges de l'amour, j'y arrive, l'oracle des amoureux, l'oracle, le grand oracle de l'amour, l'oracle, le tarot de l'amour, et quand même, on va voir un oracle pour guérir ses blessures émotionnelles, on verra. Alors, on va prendre un premier message pour toi qui es célibataire. Qu'est-ce qui arrive bientôt dans ta vie? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour toi qui arrive? On va prendre le message avec le Love Call. Alors, le Love Call, il est rigolo parce qu'il prend un petit peu l'état émotionnel du moment. Et puis, tu sais, quelque part, c'est en rapport avec un peu ton téléphone, regarde. Tu vois ton téléphone? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Est-ce qu'il y a quelque chose, toi qui es célibataire, qui peut nous mettre sur la piste? Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour un premier message? Oh, en couple! Alors ça, c'est marrant, tiens. Bah c'est ça en fait, toi t'aimerais être en couple avec quelqu'un, t'aimerais avoir une relation sérieuse avec une personne qui te fait vibrer. Donc est-ce que c'est ça qui arrive bientôt pour toi? Oh, est-ce qu'il y a un couple qui va bientôt se concrétiser pour toi, une belle rencontre sérieuse où vous pourrez ensemble vous sentir bien, partager de bons moments et peut-être envisager quelque chose
de plus lointain dans le temps, okay, dans une construction peut-être. Alors, on va voir avec l'oracle de Lucie, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour toi qui es célibataire, qui aspire à être en couple, qui a peut-être bientôt un couple qui va se former. On a l'authenticité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puis on va la prendre celle-là. On a un passage, le pont. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a des excès ici. Bah tiens alors. Et beaucoup de créativité. Ok. Alors, on va prendre plus de précision pour toi. Est-ce qu'on a une belle rencontre là qui arrive? Qu'est-ce que les cartes veulent bien nous révéler aujourd'hui? Oh là là, il y a un amour authentique, un véritable amour qui arrive pour toi. Et c'est un passage, on va dire, obligé dans ta vie. Il y a un contrat d'âme avec cette personne. Quelque part, c'est ta destinée. En gros, c'est par là que tu dois passer. Tu dois passer par cette période d'être en couple. Il y a un amour sincère pour toi. Il y a quelque chose vraiment. Alors, attention, on parle de se défouler avec des excès. J'aimerais comprendre de quoi on parle ici. Bon, et on a de la créativité. Il y a beaucoup de créativité ici, peut-être un contrôle. Peut-être qu'on cherche à contrôler la créativité. Alors, je ne vois pas de quoi ça parle. Je vais prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai comme tarot là? Ben, je vais prendre le tarot de l'amour, tiens, pour prendre une précision sur ce tirage. Le tarot de l'amour, qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus? Enfin, déjà, on te dit que tu vas rencontrer quelqu'un. Là, c'est dans l'énergie actuelle. Avec qui tu peux former un couple avec qui tu te sens bien, une personne, voilà, c'est sérieux, tu vois, ça devient sérieux. Il y a quelque chose qui se met en place là. Un amour authentique. C'est un amour où tu peux être toi, tu peux être qui tu es. Et tu as cette intuition. Alors, est-ce que tu vois bien les cartes? Je vais les monter un petit peu. Toi, tu sais au fond de toi, tu le ressens, soit tu as déjà, on va dire, croisé cette personne et tu sais que cette personne, c'est une personne avec qui tu peux être en couple. D'accord? Soit tu le sais déjà, tu le ressens, soit tu sens que bientôt tu rencontreras cette personne avec laquelle tu vas pouvoir être toi-même, peu importe qui tu es. Tu es accepté, tu es aimé tel que tu es et pareil pour l'autre personne. Tu peux aimer cette personne telle qu'elle est. Ça fait longtemps que, on va dire, que tu es en pause, que tu es peut-être célibataire, que tu as guéri d'un passé. D'accord? T'es peut-être passé par une période difficile, pas facile, mais ça fait partie de ton parcours, ça fait partie de ton apprentissage de la vie. Tu as appris quelque chose et aujourd'hui, bah, tu te sens prêt, prête à, eh bien, tout simplement vivre cette relation de couple. On a ici une reine, donc une féminine qui... Bah, qui a fait des excès. Qui a fait des excès. Alors, est-ce qu'elle a peut-être trop travaillé? Elle s'est concentrée très longtemps sur sa carrière. Et du coup, elle n'a pas laissé la place à l'amour dans sa vie. Peut-être qu'il y a des opportunités qui sont arrivées, mais comme cette féminine était quand même assez concentrée sur bah, le côté un peu, mais ça se comprend, hein, construction personnelle, matérielle, financière, carrière, etc. Eh bien, on est passé peut-être à côté de quelque chose. Peut-être d'avoir ce manque d'amour de cet autre, en fait, il y a eu un défoulement dans le travail. Et on travaille pour oublier un petit peu peut-être bah, une solitude ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a peut-être une dépendance affective ici à contrôler.
C'est-à-dire qu'on peut rencontrer cette personne avec qui on va former ce couple, mais attention à ne pas tomber dans cette dépendance affective, qui est en rapport peut-être avec une enfance, avec des blessures d'enfance. Et là, il y a quelque chose à contrôler pour ne pas tout simplement, on va dire, amener des énergies négatives à cette belle rencontre, parce qu'on parle d'un amour quand même qui est plutôt authentique. Que nous disent les anges de l'amour sur cette rencontre? Hein? Toi qui es célibataire, là, il y a quelque chose de sympa qui arrive. Que nous disent les anges de l'amour pour toi? Alors, les anges de l'amour parlent d'un flirt. Peut-être que actuellement tu flirtes avec une personne, peut-être qu'il s'est un peu rien passé, vous échangez, peut-être que ça va commencer cette histoire, cette rencontre par un flirt, et tout doucement ça va amener à une relation plus sérieuse. Ok? On va voir ce que nous dit la destinée ici. Un petit message supplémentaire avec l'oracle Votre destinée. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh! On a quelque chose qui s'est terminé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ou c'est la fin de quelque chose grâce à cette rencontre. Bon, j'ai envie de dire forcément la fin du célibat. Bon, on va voir une précision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La fin de la solitude. Ok. Alors, on parle de la période entre le 21 février et le 20 mars. On parle du signe du poisson. Je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que tu t'es séparé de quelqu'un qui était de signe du poisson? Est-ce que tu t'es séparé de quelqu'un dans cette période février-mars? Quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec cet oracle? Est-ce que c'est... On a le signe du lion aussi. Entre le 23 juillet et le 23 août, on va dire, c'est une tendance un petit peu actuelle de l'été. Alors, est-ce que ici on parle des ex, ok? Ou peut-être d'une destinée. Peut-être que tu peux rencontrer cette personne qui est du signe du poisson ou du lion, ou dans cette période février-mars, ou bien juillet-août, ok? Je vais quand même prendre une dernière carte. Donc là, c'est suivant comment ça te parle, comment ça résonne en toi, parce qu'il y a peut-être plusieurs situations possibles ici. On va en prendre une dernière. Ah, bon, on en prendra deux. Bon, on a plusieurs signes. Alors, je crois que on a le signe du Verseau. Donc, on a la période 21 janvier, 20 février. Alors, j'ai envie de dire, celle-là, je vais la mettre à côté. On a, on va dire, janvier, février, mars. Peut-être tu t'es séparé d'une personne. Ok. Peut-être aussi, alors là c'est une histoire de chance, il y a une chance. Ok, je vais quand même en prendre une autre. Alors, il est possible qu'on parle des ex ici. Un ex de signe Verseau, Poisson, Lion, ou une séparation qui a été vécue donc en janvier, février, mars ou juillet, août. Et dans tous les cas, c'est un coup de chance. Alors, soit c'est un ex. Une ex, et puis c'est très bien que ce soit terminé parce que voilà, c'était pas la bonne personne, ok, puisque là on te dit que tu vas rencontrer quelqu'un
avec qui tu vas te sentir bien toi-même et tu vas pouvoir être en couple et être tranquillou. Soit, tout simplement, c'est une question de chance et de destin. D'accord? On va voir la dernière carte, ce qu'elle nous dit. Et cette personne que tu peux rencontrer, elle peut être l'un de ces trois signes. Ou avoir l'un en solaire, l'autre en lunaire, l'ascendant et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, ce serait rigolo d'avoir les trois, l'un en solaire, l'autre en lunaire et l'ascendant, un truc comme ça. Alors ça, franchement, voilà. Bon, bah, écoute, j'ai envie de dire, c'est ta destinée. Peu importe que tu aies quitté, que cette personne qui a eu cette rupture, que tu aies été quittée, voilà. Donc, on parle soit des ex, c'était de toute façon très bien, il fallait que ça se passe comme ça. Soit bien, c'est le coup de chance de ta destinée bah, de rencontrer cette personne qui soit de l'un de ces trois signes, des trois signes. Voilà, prends comment ça te parle. On va prendre un message ici avec le grand oracle de l'amour. Bon, moi, quand j'ai les cartes sous la main, j'ai qu'une envie, c'est de les c'est de les battre et de sortir le message. Ok. Alors, une petite précision supplémentaire pour toi qui est célibataire et on te dit ben, ça va pas durer cette histoire. Bientôt, un couple va se former pour toi qui va commencer par un flirt, une personne avec qui au début bah, on flirte, voilà, on sent l'attraction, hein, il y a l'intuition ici, on se sent bien avec cette personne, hein, on est en harmonie, on te dit d'avoir confiance, ça fait longtemps que tu es célibataire, ça fait longtemps que tu es en mode repos, guérison, un petit peu tranquille à la maison, tout ça, bon, mais on te dit tout ça c'était nécessaire, c'était important dans ta vie, pour comprendre des choses, pour guérir, pour apprendre. Et là, tu traverses le pont, ok? Et tu as ce contrat, en fait, qui t'attend, ce contrat d'âme avec cette personne. C'est peut-être une âme sœur, ok? Oui, on a une féminine qui a été dupée, qui avait des illusions, peut-être sur des relations passées, qui du coup s'est un petit peu défoulée dans le travail pour oublier un petit peu les trahisons, les mensonges, les illusions, les déceptions sentimentales. Ok, bon, c'est pas la solution. Et là, on te dit le conseil pour concrétiser cette relation, ce couple avec cette personne qui arrive pour toi dans ta vie, eh bien, il va falloir se contrôler au niveau bah de la codépendance, en fait. Hein. Parce que là, on sent qu'il y a beaucoup de créativité à être dans cet état de dépendance affective. La dépendance affective se manifeste par toujours s'accrocher à l'autre, courir après l'autre et avoir toutes sortes de, bah c'est ça, d'idées créatives pour le retenir, pour avoir une sorte d'emprise. Et souvent, l'autre ben, ne supporte pas ça, se sent étouffé et a plutôt envie de s'en aller, de s'échapper et ça peut amener des conflits. Donc là, pour concrétiser cette histoire d'amour, il va falloir lâcher prise sur l'autre, être dans la confiance, être dans la créativité pour soi, c'est-à-dire faire ce que l'on aime dans la vie, s'exprimer, avoir des passions et tout ça, et lâcher un peu la grappe à l'autre. Voilà. Et juste, on va prendre la carte. Peut-être, qu'est-ce qu'il pourrait avoir à guérir comme blessure émotionnelle pour être dans cette relation sérieuse? Alors, on voit, on parle un peu de dépendance affective, ok? Mais qu'est-ce qu'on a de plus? Peut-être quelque chose à guérir là. Alors, pour être prêt pour cette personne, prête à former ce couple. Une indication pour toi. Alors on a, vous êtes le cadeau que le monde attend. Tu vois, tu es une personne aimable, telle que tu es, peu importe comment tu es, qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, telle que tu es aimable et tu es un cadeau pour cette personne. Rien en moi n'est blessé ou abîmé. Je suis prête à grandir en conscience pour me transformer, pour me révéler et devenir le cadeau que je suis pour ce monde. Tu es un cadeau, vraiment
pour cette personne qui va te rencontrer, peut-être que tu as déjà rencontré, qui va en prendre conscience. Et là, il y a une très belle histoire d'amour, un couple qui se forme. C'est vraiment très, très beau. Bah écoute, on a un très beau message pour toi qui étais célibataire. J'espère que ça t'a fait du bien. C'est parti pour toi qui as une personne dans le cœur pour qui tu vibres déjà, que tu vois cette personne, que vous soyez en silence, en distance, séparés peut-être, peut-être que tu es avec cette personne en couple, etc. Bon, on va prendre le message de cette relation sentimentale avec cette personne. On va commencer avec le Love Call. Qu'est-ce que le Love Call peut nous dire de ta situation sentimentale avec cette personne que tu portes dans ton cœur? Ok? Et je répète, peu importe la situation. D'accord? Alors, qu'est-ce que peut nous dire cet oracle, le Love Call, pour toi? Donc, tu penses très fort à cet autre. Ok? Et on nous dit. Alors là, il y a des réglages, des mises à jour. Une mise à jour de la relation est à faire. Bon, ok. On va prendre un message des anges de l'amour. Qu'est-ce que les anges de l'amour peuvent nous dire sur cet autre pour qui tu vibres, pour qui tu as des sentiments, ok, et pour qui tu regardes cette vidéo, bien sûr. Elle n'a pas voulu sortir. Ok. Allez, les anges de l'amour, la voilà. On parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, déjà, il y a une mise à jour à faire dans votre relation. Il y a quelque chose qui est compliqué entre vous pour l'instant. D'accord? Ce n'est pas la situation idéale. Mais il y a de l'attraction entre vous et vous êtes attirés. Donc déjà, pour vous retrouver, pour vraiment vous rapprocher, il y a quand même cette mise au point à faire aussi dans votre vie respectivement. D'accord? Déjà, ça passe par vivre l'instant présent. Bon, on va prendre un message avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a des choses à régler, j'ai envie de dire. Vous êtes connectés, vous pensez l'un à l'autre, d'accord? Il y a des pensées romantiques pour cette personne, ok? Mais c'est comme si ce n'était pas le moment. Parce que dans l'instant présent, il y a quelque chose à régler. Déjà au niveau de votre relation, et c'est peut-être lié à votre vie personnelle. Alors, on va prendre un message avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Pour toi qui regardes cette vidéo, on parle de quelque chose en ce moment qui est un peu stérile. Après, il fait très chaud, c'est le désert. Le scorpion, il n'a pas l'air très copain-copain. On a de la passion. Ok. Ah, des excès qui reviennent encore. Et la chance. Bon, c'est pas trop mal. On va préciser avec ce même oracle. On a des énergies quand même un peu. J'ai envie de dire contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a de l'attraction, il y a de la passion, mais pour l'instant, il ne se passe rien, c'est stérile. Il y a des mises à jour, il y a des excès. On va voir de quoi on parle pour toi, qui pense très fort à cette personne, qui a cette personne dans le cœur. Alors, qu'est-ce qui est stérile ici? Le cadeau. Pour l'instant, il n'y a pas de cadeau, il n'y a plus de cadeau, on ne fait plus de cadeau. On n'est plus dans la générosité, dans le partage avec l'autre. Il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Hein. Peut-être le fait d'exprimer son amour à l'autre, de le montrer, de le démontrer. Il n'y a plus aucune démonstration là. Là, c'est froid, c'est stérile, et limite, ça pique. On a peut-être un autre qui a piqué, ou c'est peut-être toi, hein. Il y a peut-être des vérités qui ont été dites, il y a eu des conflits. On s'est fait mal là, on s'est fait du mal et du coup c'est devenu stérile. Bon, on a de la passion pour l'autre, on aime l'autre tel qu'il est. C'est marrant, c'est sorti déjà tout à l'heure. Bon, peu importe comment est l'autre,
qui il est, d'où il vient, où est-ce qu'il va, son éducation, son origine, sa culture, sa couleur de peau, peu importe, l'autre est aimé tel qu'il est et l'autre t'aime tel que tu es. Il y a vraiment une attraction, il y a une passion, c'est énergétique entre vous, ok? Il y a, ouh là là, alors ça c'est marrant, tiens. Cupidon, Cupidon vous a fléché. Et tous les deux, il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, mais à l'excès. À l'excès, ça veut dire quoi? Il y a la petite goutte qui déborde du vase, là. Trop, trop d'amour, trop d'émotions que l'on ne sait pas gérer. Et du coup, il y a des mises à jour, il y a des choses à... Je pense qu'au niveau émotionnel, ni l'un ni l'autre, vous êtes équilibrés. Et du coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais là, on annonce un passage, c'est chouette ça, vers plus de chance. Moi, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Plus de chance entre vous. Il y a peut-être un coup de chance là qui arrive et ça fait partie de votre chemin, de ce chemin, de ce parcours, on va dire, de cette histoire sentimentale. Alors, je prends le tarot de l'amour pour essayer de comprendre un petit peu plus là. Même si on a le message qui sort, voilà, oui, il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup d'émotionnel. C'est vraiment, il y a de la passion, il y a de l'attraction, vraiment, il y a un amour, j'ai même envie de dire inconditionnel, puisqu'on aime l'autre tel qu'il est, on l'accepte hein, tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts, mais pourtant, il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire... Il se passe rien, mais on t'invite à formuler la demande à l'univers de ce que tu souhaites vraiment. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Est-ce que tu souhaites le retour à ce partage, à ces cadeaux, à exprimer cet amour, etc. Voilà. Et puis, on demande peut-être aussi le fait de s'impliquer. Qu'est-ce que l'on peut faire dans les actions pour enlever cette stérilité et pour revenir à ce partage, à cet échange sincère, généreux, altruiste, désintéressé, ben, tout simplement à aimer l'autre, quoi, à l'exprimer, à le dire, à le manifester. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour changer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'impliquer dans cette histoire? Chose comme ça. Voilà, c'est magnifique, magnifique vraiment, parce que là, on dit que vous vous aimez tel que vous êtes. Il y a pas d'une force, il y a de la passion. Alors attention, parce que la passion, ça peut être un petit peu le côté passionnel, c'est le côté déséquilibré de l'amour avec de l'ego. Et là, il y a peut-être beaucoup d'ego, c'est-à-dire de la possessivité, de la jalousie, un contrôle sur l'autre, peut-être le fait de vouloir dominer quelque chose alors que vous vous aimez vraiment. Donc là, il y a eu beaucoup trop d'émotions, beaucoup d'amour. Il s'est passé quelque chose et vous vous êtes retiré. Vous êtes pour grandir, pour apprendre, pour vous calmer, pour vous protéger, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ben, tout simplement, il y a eu une période d'introspection. En fait, il y a un apprentissage avec cette relation grâce à l'autre de qui on est à l'intérieur et de comprendre que oui, au niveau émotionnel, on a des blessures qu'on ne sait pas gérer. L'autre appuie sur des blessures émotionnelles, en fait. Et ça, c'est dommage. Mais là, il y a un renouveau. Là, il y a un nouveau commencement. Regarde, il y a l'intuition d'avoir cette chance qui arrive. C'est un passage obligé, en fait, de passer par cet état d'ermite où on se met en retrait, où on s'observe soi-même, on se dit, mais pourquoi cette personne me met dans cet état-là, en fait? Je ne comprends pas. Avec les autres personnes, ça se passe comme ça, bon, ok. Mais cette personne en particulier, elle me met dans tous mes états. J'ai des excès émotionnels, ça va loin, j'ai mal, je suis possessive, je suis jaloux, jalouse.
je ne comprends pas, je suis en colère, pourquoi je ressens ça? C'est quoi toutes ces émotions? Est-ce que c'est de l'amour? C'est très fort, c'est trop fort, je ne sais pas gérer. Et là, après cette période d'introspection, de mise en retrait, d'éloignement, de distance peut-être, chacun dans sa grotte, eh bien, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, quoi, tout simplement. On va prendre, tiens, qu'est-ce que nous dit le tarot, oui, non, dans cette histoire, ok, avec ton autre. Oh là là, que c'est magnifique. Alors, avec cette personne, on te dit qu'une période d'harmonie et de paix arrive parce que vous avez résolu le conflit, les conflits, vous avez pris ce temps-là de vous mettre un petit peu en mode ermite pour acquérir de la sagesse, de la compréhension sur votre lien, sur votre histoire, sur vos sentiments, en fait. Là, il y a une prise de conscience des sentiments. Il y a vraiment une guérison, mais ça prend du temps. Là, on voit vraiment un couple qui est très heureux de se retrouver, qui a la clairvoyance, en fait, qui voit les choses telles qu'elles sont. Et c'est quoi, en fait? C'est que vous avez de la passion, vous êtes attirés l'un par l'autre, c'est que vous êtes capable d'exprimer votre amour. Il y a beaucoup de romantisme ici. On offre des fleurs, on offre des chocolats, on se fait des petits cadeaux. Il y a vraiment un amour authentique, ok? Mais il y a eu des excès, il y a eu des conflits, et c'est ce qui a entraîné peut-être cet éloignement parce qu'il y a une mise au point à faire sur soi, sur la relation, sur la gestion des émotions. Et là, on dit que oui, vous y êtes arrivé, oui, vous allez y arriver avec du temps, de la patience, de la bienveillance, de la tolérance pour l'autre, du pardon. La carte de la tempérance est très beau et oui, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ pour vous. Alors, je prends l'oracle de la destinée. C'est un très beau tirage, vraiment, à chaque fois, c'est surprenant quand je tire les cartes. Des fois, on a des messages pas top. Bon, mais là, on a un beau message, hein. Franchement, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais prendre le livret parce que là, vraiment, je ne vois pas ce que c'est. La carte numéro 6, la maison sur les hauteurs. Ok. Bon, on ne nous dit rien de plus. Ça dépend. Alors, je prends une autre carte. Alors, est-ce que tranquillement, en fait, vous, parce que vous avez guéri, eh bien, vous vous élevez, en fait. Vous vous élevez et vous allez vous rejoindre sur les hauteurs. Donc avec plus de hauteur, on prend de la hauteur sur la situation et du coup on continue d'avancer hein, vers le haut, toujours plus haut, vers plus d'éveil, plus de lumière. Ça c'est très chouette. En tout cas, peu importe cette histoire avec cet autre, toi tu fais que gravir plus de hauteur. Hein, tu prends les choses maintenant. Avec une vue d'ensemble. C'est-à-dire que maintenant, t'es plus emmêlé, empêtré dans des histoires qui n'ont ni queue ni tête, des histoires d'ego et tous ces trucs-là. Voilà, toi maintenant, tu as choisi ce chemin d'aller plus haut, de voir les choses avec du recul, de ne pas te mêler, de rester à l'état de témoin et toi, de faire ce choix de t'élever. Là, on a un enfant. Qu'est-ce que c'est ça? Alors voyons la carte de la maison sur les hauteurs avec la carte de l'enfant. Bah, y est pas. Bah, moi je pense que c'est ça en fait, bah, tout simplement de t'être élevé et tout simplement reconnecté à ton enfant intérieur. Et si on avait un autre qui était un enfant, enfantin, immature, eh bien on a quelqu'un qui s'élève. Qui prend de la maturité, qui prend de la hauteur. Oh, c'est magnifique. Et on a la carte de l'amour, de l'engagement là.
Ok, je m'arrête là parce que c'est vraiment très beau là. On a un très beau message, on a un nouveau départ qui arrive parce que on a travaillé sur soi, on a pris de la maturité, on a eu un déclic, on a décidé de sortir de ce qui est les bas-fonds là, de s'élever, de se reconnecter à son enfant intérieur, d'avancer en fait, et on va vers cet engagement là. C'est vraiment très beau. Très très beau là, ça me touche beaucoup, tiens, waouh. Alors on va prendre un message avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Petit message supplémentaire là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais déjà là c'est très beau le message. Là il y a deux personnes qui après comment dire, une mise à jour de leur relation, d'eux-mêmes, de leur vie, vont se retrouver pour une très belle histoire. Un engagement, quelque chose de profond, parce qu'ils auront réussi à gérer leurs émotions, à se gérer dans leur vie. Ben voilà, on t'invite en tout cas, peu importe la situation actuelle, à vraiment formuler ce vœu, parce que on est en harmonie, on est bien avec cette personne, vraiment. Ben, c'est la même chose que tout à l'heure, pourtant j'ai mélangé, mais bon. Garde confiance dans ce lien avec cette personne. Il y a le regard, ça a été le désert. Non mais sérieux, regarde. Le désert, ça a été le désert avec le scorpion. Mais même si, regarde, il n'y a plus d'eau, tout est craquelé, là, il fait chaud, il n'y a rien, hein, tu vois, il n'y a même pas un caillou. Il n'y a rien, et ben, tu sais quoi? Et ben là, il y a la fleur, la rose de l'amour qui repousse à nouveau. Et elle est tout aussi belle, si ce n'est plus belle même. Donc tu vois, il y a quelque chose de très beau là. Et malgré les trahisons du passé, malgré le fait qu'on se soit cassé la binette, on était monté tout en haut de l'échelle en mode youpi, tralala, et on s'était cassé, comment dire, un étage, on était tombé plus bas que terre, on s'est fait mal et compagnie, et ben là, c'est fini tout ça. Là, il y a un renouveau, il y a un nouveau commencement. Vers de la chance du positif. Enfin, en fait, c'est juste que c'est très très positif, hein, tout simplement. Alors, on va prendre l'oracle guérir des blessures émotionnelles, puisqu'on a, ah, on a parlé de ça. J'ai même pas eu le temps de. Ok, merci les cartes. Elle a sauté direct. Puisque là, on parlait de ça, le fait qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, il y a eu des trahisons, on s'est cassé la figure. Bon, il y avait des choses à apprendre. Quel est le conseil pour continuer à faire ce travail? Parce qu'on a vu cette introspection, etc., qui a été faite, une guérison. On parle de quoi ici? On parle de l'abandon. Ah bah tiens, j'accueille et je prends mon enfant intérieur. Tu regardes les cartes, c'est incroyable. On parlait de ça, de l'enfant intérieur. Je prends mon enfant intérieur dans les bras. Je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Donc là, on avait un travail à faire sur cet enfant intérieur qui s'est senti abandonné, qui avait des blessures dans le cœur, en fait, qui était là. Et dans cette relation, il y avait un déséquilibre émotionnel. Peut-être l'un des deux avait cette blessure de l'abandon, peut-être les deux. Et du coup, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Okay. C'est pour ça qu'il y a eu besoin de s'éloigner pour être dans cette introspection, travailler sur soi. Et maintenant, on dit, vas-y, vas-y, tout va bien. Il y a l'amour ici qui est là, il y a l'amour, il y a l'engagement, il y a le lien, il y a les anges, c'est une relation qui est protégée. On a pris de la hauteur, on s'est reconnecté à son enfant intérieur, on lui a donné cet amour qu'il avait besoin en fait. Donc là, c'est un très très beau message. Alors, écoute, je suis un peu émue parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je suis émue pour toi. Du coup, on va prendre le message de ton autre. Ok? Qu'est-ce qu'il peut te dire, il ou elle, cette autre personne, qu'est-ce qu'elle peut te dire? Ok? Alors déjà, on parle vraiment de ça, hein, de guérison. Vous avez guéri, vous êtes en train de guérir tous les deux. D'accord? On a la blessure de l'abandon. Ok? On avait un peu laissé son enfant intérieur de côté pendant très longtemps. Hein, ok? Mais là,
Mais là, bah, écoute, on guérit, on a guéri. L'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc tu vois, ton âme sœur, cette personne que tu as dans le cœur, que tu ressens comme ton âme sœur, ok? Eh bien, elle est, peu importe, là c'est stérile là, actuellement et tout ça, ok? Hein, on a vu, hein, on est dans le désert, mais avec le 3 de bâton ici, on te dit de manifester déjà par la visualisation créatrice cette connexion en fait, déjà de la ressentir, de la vivre à l'intérieur de toi, cet amour. Envoie beaucoup d'amour, de lumière à cet autre, d'accord? Peu importe, cet autre va ressentir cet amour, va le, comment dire, l'absorber d'abord dans la cinquième dimension, d'abord dans l'énergétique, avant de pouvoir l'exprimer dans la matière. Donc là, pour que cette fleur pousse, ben, il y a une question d'énergie. Donc c'est ça en fait. Envoie tes intentions à l'univers. De retrouver peut-être cette personne, ok, quand tu es prêt, quand tu es prête, parce que voilà, oui, j'ai guéri, oui, je suis en train de prendre conscience de ma blessure d'abandon, je guéris cette blessure et maintenant, je prends de la hauteur. Je me suis reconnectée à mon enfant intérieur et je suis prête à accueillir cette personne dans ma vie parce que, voilà, on a de l'amour ici, on a une très belle histoire d'amour. Voilà, bien écoute, c'était le message pour toi aujourd'hui. Vraiment, on a eu deux très très belles guidances. Je suis vraiment très heureuse. J'espère que ça t'a plu. Bah, écoute, n'hésite pas à liker et à commenter peut-être. Hein, peut-être qu'il y a des choses à dire là-dessus. Moi, je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.